Eh bien bonjour à tous, c'est Alric et on se retrouve pour la 500e vidéo sur YouTube. C'est trop bien, n'est-ce pas Roquefort? Ouais, c'est tout, Ben. Oh mais ça va, tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'enthousiasme quand même. J'ai pas ma chaîne, mais je m'en fiche. Oh mais c'est bon, allez, fais le rabat-joie, je l'invite pour l'intro, ça y est, il fait déjà le rabat-joie. Ouais, t'as raison, on s'en fout, on en a rien à foutre, c'est la 500e sur YouTube, on s'en fiche. Donc du coup, pour cette vidéo, je vais un peu vous expliquer avec Roquefort ce qu'on va faire. Donc en gros, c'est vraiment le bordel en fait, hein. Il a prévu plein de trucs, il m'a invité, je sais même pas pourquoi, je sais même pas de quoi on va pailler. Mais oh, arrête Roquefort, regarde, je t'ai même écrit une feuille de ce que tu vas dire, de ce que tu devras dire. Il y a les noms de ceux qui ont commenté, tu pourras dire leur pseudo si tu veux. J'ai tout bien, j'ai encore le rôle de l'esquilave, arrête de tout le temps te plaindre. Donc du coup pour cette vidéo, cette 500e, j'ai repris un best-of que j'avais fait sur Dailymotion, que j'avais fait pour la 500e vidéo. Actuellement j'en suis à 657 sur Dailymotion, comme quoi il me reste 167, je sais compter vidéos qui n'ont pas été postées sur YouTube et qui sont encore sur le compte de Daily. Petite mise au point d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses Roquefort, mais qu'est-ce que ça devient pour toi Dailymotion? Sachant que tu postes pas beaucoup, mais qu'il y a du Yamed, tu viens de le dire, c'est du gros pain d'épices en tout cas. Du pain d'épices? Ah oui, mais faut que t'expliques aux gens ce que c'est, parce que je crois qu'ils ont pas compris là, du pain d'épices. Alors du pain d'épices, c'est très simple, c'est comme si la merde engrangeait de la merde, donc la petite merde qui est engrangée par la grosse merde, et ben c'est comme le pain d'épices, c'est l'une des pires insultes qui soit, et Dailymotion, c'est du gros pain d'épices en ce moment, c'est vraiment, c'est devenu n'importe quoi, l'interface est d'une mocheté, franchement, j'ai vraiment peine à voir ça, je regarde ma page avec tous mes fromages, mais c'est moche, franchement, mais le dernier intérêt qui reste à cette page de profil, c'est ma gueule sur mon avatar, qu'est-ce que je suis mignon. Non mais franchement, c'est devenu insupportable, et même pour naviguer dans les abonnements, je ne trouve même plus mon Piti Wapiti, mais je crois qu'il a raté les vidéos, donc quel dommage que... Roquefort. Désolé, il est en train de s'emporter, voilà, non mais il a raison, Dailymotion c'est vraiment devenu pourri. La dernière mise à jour, ils ont enlevé les commentaires des profils, je crois que ça m'a achevé là. je crois que j'uploaderai seulement Baten Kaitos et GoldenEye dessus, la fin de Mario 64 aussi. Mais franchement, j'hésite fortement à uploader les futurs projets sur Dailymotion, d'ailleurs cette intro sera sur Dailymotion, où je rajouterai également le best-of de Super Mario New Star, que je vous ai fait juste pour cette vidéo parce que il n'était pas présent dans la 500e de Dailymotion, puisque la 500e de Daily je l'ai uploadé il y a à peu près un an et je n'avais pas encore fait Mario New Star à cette époque-là, donc du coup je me suis dit je vais refaire un petit best-of de ce Mario-là, comme ça vous en fera encore plus pour YouTube. Et du coup je le mettrai aussi pour Dailymotion. Non mais franchement Daily ça me dégoûte tout simplement, je prends plus aucun plaisir à aller dessus. Les commentaires sont toujours en train de bugger, ça fait des années que ça dure, c'est toujours pas réglé. Ils nous virent des fonctionnalités, ils en mettent de nouvelles complètement à chier, ils essaient de s'adapter au format YouTube au lieu de perpétrer leur personnalité. Voilà, ils ont vraiment perdu mais tout ce qui faisait leur charme et je ne trouve plus aucun plaisir, je m'y retrouve même plus en fait. Je regarde ma chaîne et je me dis, mais c'est pas ça ma chaîne quoi. Je ne reconnais même pas la chaîne sur laquelle j'ai démarré. Du coup, j'ai plus aucune affinité avec Dailymotion. Et c'est pour ça que bah, ça me fait un peu de la peine aussi, parce que sur YouTube, je vous avoue que je m'y retrouvais pas forcément non plus. La chaîne YouTube, c'était vraiment. Enfin, je l'avais ouverte en 2012, 6 mois après celle de Dailymotion. J'avais commencé à uploader en fait pour voir comment ça se passait sur YouTube, pour voir si l'upload était plus rapide, alors qu'en fait ça a aucun lien avec le site internet, c'est juste ma connexion. C'était pour voir aussi les options des vidéos, comment ça se paramétrait et tout ça. Et du coup j'ai continué à uploader et aujourd'hui je me dis que j'ai bien fait de commencer tôt YouTube. Comme ça maintenant j'ai déjà 500 vidéos dessus et j'ai pas à remettre les 600 vidéos que j'ai déjà fait d'un seul coup. Même s'il m'en reste encore à uploader en rab pour rattraper un peu ce qu'il y a sur Daily. Mais bref. Roquefort est en train de pleurer dans son coin, le pauvre. Je crois que je vais aller
Le réconforte un peu. Allez, Roquefort, c'est bon. Pitiwapiti a peut-être entendu ton message, il continuera ses vidéos. Mais là, il était sur un projet Paper Mario, ça doit lui prendre du temps. Mais moi, j'aimais pas ses vidéos. Roquefort, mais t'as quel âge là, en train de pleurnicher? Oh, arrête un peu. D'ailleurs, si tu veux, vu que t'as pas de chaîne YouTube, je te créerai une playlist. Voilà, t'es content? Je te créerai une playlist Roquefort sur YouTube, comme ça je mettrai toutes tes vidéos sur cette playlist, comme ça les gens ils pourront retrouver là où tu apparais. T'es content? Ça va, ça me fait plaisir. Oh mais ça, il est pas difficile, hein. Allez, c'est bon. Arrête de faire ton rabat-joie là. Tiens d'ailleurs. C'est le moment de faire les petits remerciements, donc je te passe la feuille, Roquefort, tu peux remercier les gens qui sont sur YouTube, vu que dans cette vidéo j'avais fait un ending où je présentais les personnes qui avaient commenté sur Dailymotion, ending que je vous ai laissé parce que ça m'avait fait chier au montage, donc autant en profiter. Et donc voilà, sur YouTube, vu que maintenant il y a pas mal de personnes qui... Enfin, j'ai pas relevé tous les pseudos depuis que j'ai commencé la chaîne, hein. J'ai pas non plus. Je suis remonté à peu près à 6 mois. Et voilà, Roquefort aimerait vous remercier à ma place. Allez, tiens, vas-y, prends la liste. Tiens, j'arrive pas à te lire, mais qu'est-ce que t'écris, Maï? Il a écrit quoi, il y a? C'est un Z. Putain, Roquefort. Je sais bien que t'as une mauvaise vue, mais quand même. Hein. Ailleurs, attendez, mais je vais écorcher leur pseudo, ils vont même pas reconnaître leur pseudo avec mon accent. Oh, c'est pas grave. Et c'est l'intention qui compte, on va dire. Ailleurs, eh ben, merci à Yéphir, Yomega Gamer, Portunac, Sidgamer, Sashdai, Isokasama, vraiment désolé, c'est n'importe quoi, Wayne 10, Rodigoyem, Ryan You, Link Orange, Chefka, Uliepack, Zelda Maniac, Ayonadad, mais je le connais, lui. Oui. Oui, t'avais posté un commentaire sur la chaîne, si tu t'en souviens. Ah oui, il voulait mon autographe. Mais je sais plus ce que je lui ai fait au final. Je crois qu'il voulait faire une dédicace. Je sais même plus si je lui ai fait. Oh, c'est pas grave, continue, Roquefort. Ailleurs, Soupe 2000. Florence Tigne, Pitchoun 76200, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Magma Dash, Zilagog, John Takanaka, Xbrinz, Splitter, Spart Design, Fan Nintendo Gaming, Yannick Gen, Melkia, Imangaka, Mille Pattes Géants et Léa Malbach. Voilà, très bien Roquefort. Voilà, donc tous les pseudos que Roquefort a énoncés, je vous remercie de me soutenir à travers les commentaires. J'aimerais juste souligner quelque chose à propos des abonnés. Je déteste parler de ça, mais ça m'énerve d'y revenir à chaque fois. Mais régulièrement, je reçois des coms où on me dit que je devrais avoir plus d'abonnés, ou dommage que t'aies peu d'abonnés, blablabla. Ça m'énerve un peu parce que du coup j'ai l'impression que les gens ils commentent juste pour voir le nombre d'abonnés et qu'au final ils s'intéressent même pas à ce qu'il y a sur la vidéo. Et franchement, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre du nombre d'abonnés que j'ai quoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Honnêtement, que j'en ai 50 ou 500, ça me reviendrait strictement au même, j'uploaderais à la même vitesse, je ferai les mêmes projets, je ferai les mêmes vidéos. Je serais peut-être pas forcément plus ou moins motivé, puisque la motivation, en tout cas ma motivation à moi, ne se base pas du tout sur mon nombre d'abonnés, mais sur voilà, sur ma motivation personnelle, sur la motivation du moment, sur ce que je ressens, sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de partager. Il faut que le nombre d'abonnés soit un indicateur au niveau de la chaîne et pas une motivation. Et je comprends pas pourquoi les gens ils viennent me poster des coms là-dessus, parce que ils devraient s'en foutre. Et par ailleurs, je m'en fous aussi un peu. Bon, forcément que je regarde et je suis pas non plus débile, hein, mais voilà, quand j'ai commencé les vidéos, je me suis jamais dit j'aimerais avoir tant d'abonnés pour être super connu sur les réseaux ou je sais pas quoi, sur Daily ou YouTube, n'importe quoi.
pensais juste à si j'allais être capable de tourner une seule vidéo de 30 minutes et pouvoir parler pendant une demi-heure sans discontinuer. Je me sentais pas capable de faire ça parce que j'étais assez réservé. Et au bout de 650 vidéos, je me dis que j'ai bien fait de commencer parce que ça m'a permis de développer ma manière de m'exprimer. J'ai l'impression que je suis moins réservé du coup, même si voilà, dans la vraie vie, il y a des hauts et des bas, ça dépend des jours, mais en fonction de mon humeur. Mais je suis vraiment content et plutôt fier de moi d'avoir réussi à, voilà, à ne pas avoir laissé tomber, à être arrivé au terme de plusieurs wokfu et avoir toujours l'envie de continuer, tout simplement. Voilà, et puis pour information, 195 abonnés sur YouTube, pour ma part, ça me convient très bien, puisque j'ai aucune envie d'avoir 5 000 ou 50 000 abonnés, où je reçois des coms dans tous les sens et j'aurais même pas le temps d'y répondre. Ça, franchement, je ne me le souhaite pas. Je préfère grandement pouvoir répondre, prendre le temps de répondre à chacun des commentaires que je reçois. Et puis voilà. De toute façon, comme je vous le dis, pour moi, la façon, les vidéos, c'est secondaire, il n'y a pas que ça. Dans ma vie, c'est très, très certainement. C'est juste un petit passe-temps, un petit loisir comme ça, et ça me fait bien plaisir de le faire. D'ailleurs, je suis en train de crever de chaud parce qu'en ce moment, c'est en train de monter sérieusement les températures. Donc voilà, c'était. Je voulais faire une petite intro. Roquefort, qu'est-ce que tu fais? Roquefort, il est en train de. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est à moitié allongé sur le paillasson encore. Il le lâche jamais, ce paillasson. À chaque fois, il y a Cachou, là, son chien, qui est en train de le lécher. Et lui, il est en train de se frotter dessus. Bon, écoutez. il est un peu spécial, des fois. Voilà, je voulais tout simplement faire une mise au point par rapport à YouTube et Daily. Donc, du coup, ma chaîne YouTube est maintenant prioritaire par rapport à Dailymotion qui me dégoûte de plus en plus. Mais voilà, ça me fait un peu de la peine parce que même sur YouTube, j'aime pas trop le design de la chaîne. Je trouve pas que ce soit le plus ergonomique possible et de toute façon, voilà, j'ai pas commencé sur YouTube donc j'ai moins d'affinités. Et ça me saoule. aussi, donc dans les vidéos de réserve que j'ai sur Daily que je dois poster sur YouTube, actuellement il y a Super Mario Galaxy qui continue d'être uploadé régulièrement et qui me permet d'ailleurs de combler les trous. Parce que j'ai pas toujours des vidéos d'avance, même si là j'en ai quelques-unes, mais il faut que je fasse le montage. J'uploaderai après Mario Galaxy le Wakfu de Little Samson, qui est un jeu NES, dont vous verrez d'ailleurs quelques extraits dans cette vidéo, puisqu'il y a le best-of. Il y a le best-of qui arrive d'abord, c'est génial. Il y aura Metroid Prime 2, que j'ai fait à 100%, que j'uploaderai aussi sur YouTube. Et le Wakfu de Resident Evil Rebirth, donc le remake du premier Resident Evil, qui était sorti sur GameCube en 2002. Je l'avais fait en découverte sur Dailymotion. J'essaierai de refaire un petit fond pour ce Wakfu, parce que je l'avais fait en 4 tiers et la qualité n'était pas exceptionnelle. Là, je vais essayer de faire. Pas le mettre en 16 neuvième, mais de mettre un fond 16 neuvième pour encadrer la vidéo et pas avoir un fond noir. Voilà, je pense que ce sera peut-être mieux. Et du coup, je le re-uploaderai sur YouTube. Puis, je crois que c'est tout. Il y a toujours Jet Force Gemini sur Daily aussi, mais j'ai envie de garder ce jeu pour plus tard pour pouvoir le refaire sur YouTube. Puisque je l'avais fait quand j'avais commencé mes vidéos et j'étais pas très très à l'aise. non seulement au niveau de mes commentaires, mais en plus au niveau de la qualité vidéo, c'était pas terrible. Donc vu que j'ai commencé la vidéo pour présenter ce jeu, je pense que je le referai. Puisque autant bien je finirai sur ce jeu, ce serait pas mal. Je sais pas, on verra. j'ai noté futur projet, je sais plus ce que je voulais dire là-dessus. de toute façon, je l'ai déjà indiqué dans la description de la vidéo, vous pouvez le voir à tout moment, sur YouTube et Dailymotion. J'ai indiqué Wild Arms. Quoi que sur YouTube, je sais pas si je l'ai mis Wild Arms. En tout cas, j'ai envie de le faire en découverte, ce Wakfu. Wild Arms, qui est un RPG type western, ce qui est assez original, qui était sorti sur PS1 et que je ne connais pas. Je connais pas la série, j'ai bien envie de me le faire en découverte. Luigi's Mansion également en découverte sur GameCube, il est temps que je me le fasse, que je me l'achète celui-là. J'ai très envie de le faire. Puis, j'ai noté projet coop, mais ça c'est en train de traîner à chaque fois. Donc ça, il n'y a pas vraiment de. Je sais pas, on verra. Il n'y a pas de date précise. Donc voilà, dernière petite chose à vous présenter. Donc en fait, au niveau des lives, c'est vrai que j'en ai vraiment fait peu cette année. Je crois que j'ai fait que celui de Zelda 2 pour terminer le Wakfu. Mais c'est vrai que j'étais pas très motivé. Les lives,
faut que je le fasse le week-end. Et je vous avoue que le week-end, je préfère me reposer. Sauf que là, il faudrait quand même que je reprenne un peu parce que j'ai le live châtiment de Super Smash Bros. Melee qui n'a toujours pas été fait. Donc Néon est impatient, hein, il me l'a réclamé. Désolé, franchement, je reporte des choses. Ça, c'est comme la vidéo de Pokémon Diamant. Hein. J'avais prévu pour ma 300e il y a 2 ans. Je l'ai toujours pas faite. C'est génial, mais j'y pense encore en plus. Donc le prochain live, je vous l'indique, ce sera le 20 juin, le samedi après le 3. Donc du coup, ce sera l'occasion peut-être de parler de le 3, de récapituler un peu ce qu'on aura vu cette semaine, la semaine de le 3. Donc il y aura le live châtiment pour Néon, qui est sur Umiara Kawase. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un jeu. Je sais même plus quel type de jeu c'est. Je crois que c'est un jeu de 2D de plateforme ou de réflexion sur Super Nintendo. 1 heure de live châtiment là-dessus. Bon, c'est châtiment entre guillemets. Je pense pas que le jeu soit hardcore non plus, mais bon, on verra bien. Et peut-être comme après ou avant ça, je finirai en live Super Princess Peach sur DS. Attention, c'est du lourd. Non, mais ce jeu, je l'avais commencé il y a des années. Il sera temps que je le termine. Là, je suis arrivé tout à la fin. Je vous réserve le dernier niveau et le dernier boss. Je vous présenterai le jeu en même temps parce qu'il est vraiment cool, hein. Super Princess Peach sur Nintendo DS. Donc voilà, ça ce sera le live du 20 juin, samedi, je pense vers 18h, et comme d'habitude, c'est toujours mon horaire. Et puis voilà, t'as un dernier mot à rajouter, Roquefort? Ouais, les gens, passez sur ma chaîne Dailymotion, il y a même si Dailymotion c'est une groupe indépendante maintenant, passez sur ma chaîne. Voilà, Roquefort fait sa pub. Donc pour terminer cette allocution qui s'éternise, pour une intro, cette vidéo va durer 3 plombes d'ailleurs, je vous précise en dernier lieu, 7 août 2015, toute la journée, live, 4 ans de vidéo, Banjo-Kazooie, 100%, webcam. Voilà, allez, à la prochaine. Parce qu'un seul mot ne suffit pas à exprimer l'ampleur de ma joie, je souhaite à travers ce message vous remercier pour cette année de partage. Le temps trace un passé ancré dans ma conscience, mais c'est la passion qui permet à la réalité de prendre tout son sens. Chercher le meilleur au fond de soi, trouver une voie à travers sa propre voix, penser, transmettre, communiquer, un exutoire sur lequel on peut compter. Les jeux, les failles, les vues, qu'importe, pourvu que le cœur parle, crie, des mots sur des mots qui me suivaient m'emportent, intérieur bouillonnant, façade sans bois. Un micro pour tout dire, une manette pour agir, en quoi s'envoler, je respire, et c'est place au plaisir. Les jeux vidéo, un loisir, foutaise. Seul un art par ses dégâts de lecture nous offre un monde de culture, où il est bon de s'épanouir. Amitié. Alric Inai.
500 vidéos. Cette fois, on peut le dire, on y est. 500 vidéos. Salut à toutes et à tous. C'est donc Alaric. Pour la 500e vidéo, j'ai pas envie de m'éterniser, donc j'ai à peu près 10 minutes pour vous dire ce que j'ai à dire. Vous avez en fond les magazines officiels Nintendo que j'ai gardés au placard. Je les ai tous ressortis. Je trouve que ça faisait un bon fond de mettre en jeu quelconque. Voilà. Je trouvais ça plutôt sympathique. Vous voyez un peu la rétrospective des Nintendo magazines officiels de la période GameCube Wii, puisque ceux de la version 64, enfin ceux de la génération 64, je les ai malheureusement pas gardés. Et c'est triste. Il y a beaucoup de magazines que j'ai jetés et je le regrette amèrement. Donc voilà, pour ceux que j'ai gardés, je vous montre tout simplement ce que j'ai pu garder. Voilà, voilà. Donc cette 500e vidéo, déjà j'ai juste envie de vous remercier tous. Vous qui avez participé, qui faites vivre un peu cette chaîne par l'intermédiaire de vos messages, de vos visionnages. Donc vraiment, merci énormément à vous. Petite dédicace spéciale quand même à Bastien, Petit Wapiti, à Gil, à Wayne, à Aizenadad, à Ayu, à Black et à Papy Moas, bien évidemment. voilà, ça c'est dit, donc maintenant je vais vous parler juste du contenu de cette vidéo. Déjà pour vous dire, je pense que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à préparer. Là, j'ai pas encore fini le montage, puisque là, je suis en train de faire la voix off pour l'introduction. Mais qu'est-ce qu'elle est longue à faire cette vidéo, je sais pas si je pourrais la poster à temps le mercredi prochain. Parce que ça fait des soirs que j'y passe dessus, et c'est juste chiant parce que je compte vous faire un best-of. Un best-of de fail, ainsi qu'un best-of des moments PGM. Et oui, ça existe aussi, des moments PGM qui sont plutôt rares, mais... Là quand même. Donc voilà, c'est pas non plus une idée très originale, mais j'avais envie de... Ça faisait longtemps que j'avais déjà prévu ça pour la 500e, donc je me suis dit, allez, on y va. Le problème c'est que... Je peux vous dire que c'est relou de se repasser des trucs pour trouver des bons passages. C'est très très long. Donc, je me retape pas non plus toutes mes vidéos, loin de là. De toute façon, je pèterai un câble. J'essaie de me rappeler en reparcourant les titres de vidéos en fonction de mes souvenirs, ce qui m'a marqué plus, ce qui me revient en tête, ce qui pourrait être marrant à vous montrer dans cette 500e, tout simplement. Et ça prend beaucoup beaucoup de temps. Pourquoi cette idée de best-of? C'est tout simplement un petit hommage entre guillemets à Kir Alex qui avait fait sa 500e. Oui, c'était il y a au moins 4 ans, en 2010. Je crois, hein, il me semble. Au moment où j'avais créé ce compte, le 10 avril 2010, je l'avais créé pour poster un commentaire sur sa 500e vidéo. Il avait fait justement un best-of avec ses fails. Et je crois que c'est le premier message que j'avais posté sur Dailymotion. Et c'était cette vidéo en particulier qui m'avait incité à m'inscrire sur le site. Donc rien que pour ça, j'avais envie de lui rendre hommage à travers cette 500e vidéo. Et en faisant également un best-of, voilà. Pour se rappeler... de Kir Alex, tout simplement, parce que c'est une personne que j'aurais bien aimé connaître. Bon, c'est vrai qu'il a arrêté les vidéos peu de temps après que... je crois qu'il a arrêté, même avant que je commence, je sais plus trop, mais... Il était déjà plus trop dans les walkthroughs quand j'ai commencé. C'était une personne que j'appréciais énormément, son boulot. Ainsi que les jeux qu'il avait fait. Voilà, voilà pour ça. Alors, ensuite... Pour vous parler un peu de mon état d'esprit actuel, comme je vous l'ai déjà indiqué dans la vidéo de Noël dernier, je comptais faire moins de walkthroughs et plus de vidéos entre guillemets tests, mais qui sont sous forme de rétro-stylés en fait. J'ai pu lancer les rétro-stylés en ce début d'année comme je le souhaitais, mais bon, pour l'instant il n'y en a que deux, malheureusement, parce que j'ai un peu du mal à m'y atteler. Ça prend beaucoup de temps ce genre de vidéo, et les walkthroughs à côté, plus rapide à faire, donc du coup je privilégie les walkthroughs. Quand je vais tourner une vidéo, je lance la vidéo, voilà, pour faire le walkthrough.
Et du coup, les rétro-stylés n'avancent pas beaucoup, ça prend beaucoup de temps à préparer. Et donc dans l'avenir, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo de Noël, mais c'est vrai que pour l'instant vous n'avez pas vu trop de changements. Ça continue toujours sur le même rythme avec les Wakfu, tout ça, tout ça. Mais je compte vraiment faire moins de Wakfu et plus de rétro-stylés, tout simplement. Dans l'avenir, de toute manière, ça finira par arriver, je ferai plus de Wakfu, je ferai que des rétro-stylés. Ça, c'est l'orientation pour laquelle j'ai envie de m'orienter. Alors voici le seul Nintendo Magazine officiel que j'ai gardé de l'époque 64. Le Saint Graal. Le seul que j'ai gardé. Putain, je suis vraiment dead. Ainsi que la Soulus de Zelda Ocarina of Time. Notamment, parce qu'il n'y a pas que ça dans ce truc de Soulus, mais il est complètement déchiqueté ce truc. Il n'y a plus la couverture et il manque les 20 dernières pages. Enfin bref. Donc voilà, ben pour l'instant, j'ai encore énormément de Wakfu prévus, donc je vais pas vous dire que dans 3 mois il y aura plus de Wakfu, évidemment. Surtout qu'il faut que je fasse les Wakfu GameCube que je vous avais indiqué dans le sondage, hein, le sondage dont vous avez. J'avais lancé il y a au moins 6 mois, et j'ai toujours pas commencé Battle Kaitos, qui était le premier de la liste. Donc pour vous dire, j'ai encore du taf. D'ailleurs, Battle Kaitos, je pense qu'il va peut-être arriver. J'ai pas envie de vous promettre de date ni rien parce que après c'est pas forcément je peux peut-être pas forcément les tenir mes promesses enfin, en tout cas au niveau des dates mais j'aimerais vous dire que Battle Kaitos arrivera cet été. Voilà, c'est ce qui est prévu, c'est ce que j'ai prévu en tout cas. Après Heart of Darkness qui sera pas très long Et puis Wild Arms, je pense qu'il arrivera un peu plus tard, parce que là je suis actuellement en train de monter un nouveau PC avec les composants. Je pense que d'ici un mois, j'aurai le nouveau PC, donc du coup je pourrai faire tourner l'émulateur PS1 et capturer en même temps sans souci, parce qu'actuellement je peux tourner avec l'émulateur PS1, mais la musique est ralentie. Donc c'est pas la peine de faire Wild Arms, qui est une OST juste magistrale. Et gâcher la musique pour vous faire le Wakfu, je préfère attendre un peu, de manière à le faire vraiment de manière optimale, tout simplement. Alors, c'est vrai que dans la vidéo des 1 an aussi du groupe des United Colors of Wakfu, je vous avais dit que j'allais faire Final Fantasy VI notamment, et je dois vous avouer qu'actuellement je pense que je vais l'annuler parce que voilà. J'ai plus trop la motivation pour faire ce jeu, tout simplement. Paper Mario 2, c'est un peu le cas aussi. Actuellement, j'ai pas du tout envie de le faire, donc je sais pas si dans 1 an ou 2 j'aurai envie, mais je pense que je vais le mettre en retrait pendant un bon bout de temps. Et Metroid Prime 3, je suis en train de le faire hors vidéo, en fait, de mon côté. Mais pour l'instant, c'est pas. Enfin, je sais pas, ça me donne pas envie de vraiment de le faire en Wakfu pour ce que j'ai vu pour l'instant. Après, c'est peut-être juste une impression faussée, mais pour l'instant, je le mets aussi vraiment en retrait. Metroid Prime 3, j'ai pas trop envie pour l'instant d'y penser. Voilà. Sinon, il y aura toujours des petites surprises, des petits Wakfu surprises que j'ai en tête, hein, que j'ai pas forcément noté, mais. Qui peuvent arriver d'un instant à l'autre. Voilà, j'aime bien faire aussi au feeling. Là, des fois, quand j'ai envie de faire un jeu d'un coup, ben, je le fais et puis c'est tout. Pas besoin de faire des plannings à chaque fois. Si on peut pas les. Si on n'a pas envie de le faire. Si on a prévu des jeux qu'on n'a pas envie de faire au final, ça sert à rien. Voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près dit ce que je voulais. Donc, pour la suite, ce sera Heart of Darkness. Baten Kaitos et Wild Arms, des rétro stylés sur plusieurs consoles, et puis d'autres petites surprises dont je n'ai pas envie de vous révéler le nom, simplement. Ah oui, aussi le Survival Horror dont je vous parle depuis des mois. J'ai vraiment envie de commencer aussi, je sais pas s'il va pas arriver avant Baten Kaitos parce que j'ai vraiment envie de le commencer. Donc bref, je vous remercie encore une fois énormément pour votre soutien, pour vos retours. Et puis on continue, tout simplement, la route continue. Et on ira jusqu'à ce que
On continuera jusqu'à ce que j'en peux plus, jusqu'à ce que j'en ai marre. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, amusez-vous bien devant le best-of, j'espère que ça vous plaira. Et puis, à la prochaine. Salut! Oh merde! Oh putain! Donc normalement, là ça devrait le faire. Allez, frappe! Putain! Attendez, je la touche là, non? Mais c'est quoi ce... Peut-être que je saute. Hop! Quoi? Attendez! Normalement, si je le saute dessus, elle crève, non? Mais... À moins qu'il faut qu'elle... reste endormie? Allez! Ah, mais voilà, je l'ai sauté dessus. J'essaie de me pré... Ah oui, d'accord. Lui, en fait, il faut le sauter dessus et passer comme ça. Non! Oh non, putain. Wouhou! Allez, viens par là, toi. Hop. On s'agrippe à l'arbre, mais... Ah, ça, c'est beau. Regardez, Mario. Ah oui. Là, je suis content, là. J'aime l'herbe. Mais, attendez, je suis coincé. Mais... Bouge! Attendez, j'appuie sur tous les boutons, il veut pas... Je suis bloqué. Attendez. Je me dirige vers la gauche. Allez, vas-y. N'importe quoi. Avec un super monsieur très gentil qui va nous foutre en l'air. Oh, que j'apprécie, que ça fait plaisir. Oh, heureusement qu'il s'agrippe. J'ai peur, là, j'ai peur. Dégage. Allez, venez vous battre. Mon seul se casse. Moi, je me casse aussi. Oh, quel abrutie. Allez, on est reparti pour ce superbe passage. Ok, écoutez, je fais de mon mieux, hein. Je sais pas du tout combien la vidéo va durer avec toutes ces conneries. Mais comment voulez-vous que j'y arrive avec ce framerate de merde? Et donc, on est reparti pour la dernière ligne droite de cette superbe étoile. J'ai dû récupérer 5, je crois, en tout dans ce niveau. Ah oui, c'est beau ça aussi. Allez, on est reparti. On saute. Ok. Ah, on est reparti pour la dernière ligne droite de cette étoile. Ok. Ah, on est reparti pour la dernière ligne droite de cette étoile. Ok. Ok. Ah, le souci des sauvegardes rapides, c'est que... D'accord. C'est que vu que je peux recommencer à l'infini, je fais n'importe quoi. Oh, attendez, je vais me concentrer. Putain. C'est comme ça que je me concentre. Ok. Oh putain, mais c'est pas possible. Attendez, on va mettre la caméra là qui tue. Ah, je vous jure, il y a une plateforme devant moi, j'arrive même pas à sauter dessus. Là, en face. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu m'as foutu, Mario? Mais putain! Là. Là. Attendez, mais putain, mais c'est incroyable. Hallucinant. Déjà, il s'agrippe pas. Bon, on le fera plus tard. Je voulais aussi vous montrer les pièces rouges. Non! Mais j'en ai marre de ce monde de merde! Mamma mia! Non. Non! Ok, ça je rate. Allez, saute! C'est pas vrai! Putain, c'est pas possible! Allez! Je peux le faire, Mario! Alors sur votre gauche, vous avez le rocher de je sais pas quoi. Ah, j'ai même mis... Non. La barque, elle est où la barque? La barque. Non. La barque. Putain. Non. Mais j'étais arrivé au bout. Putain. Saleté. Faut même pas faire la visite guidée en paix. Putain. Non mais je vous jure. Mais toi, tu vas dégager là. Ah, et ta tronche de merde. Je vous dis, j'ai chopé ces deux putains de pièces Yoshi, et en plus j'ai planqué l'étoile là-haut. Je sais même pas si je vais réussir à la choper. Putain, c'est pas vrai, hein. Allez, putain. Je vais pas débloquer comme ça, maintenant. Oui. Ah putain. Allez. Elle est où? Je sais même pas si elle est sortie de son machin. Quoi? Non, j'hallucine, mais... Elle est déjà arrivée? Ah, j'ai envie de tenter quand même, hein. Attendez, je vais essayer.
Non. Oh putain. Attendez, faut que je prenne un peu d'élan. Eh hey, mais pourquoi il fait pas de... Pourquoi il fait pas de saut en longueur? Attendez, on va sauter là. Mais non. Ça va pas recommencer. Voilà. Ah, oh, trop loin. Je crois pas. Non, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Oh, le beau bug. C'est beau, regardez-moi ça. Mario se cache. Ah, non. Eh, hey, les enfoirés. J'y étais, putain. Allez, là, qui tue, là. Mais Mario, je t'ai demandé... Mais regardez-moi ça. Je suis accroupi, il veut pas sauter. C'est hallucinant. Mais c'est hallucinant, ça. Mais c'est quoi, ça, Mario? Ok, ok. Là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Non, il y a vraiment rien à dire. Pourquoi je fais la même connerie 10 fois d'affilée? Je suis un peu con aussi, non? Non mais attendez. J'aurais même plus à sauter sur le... Mais c'est... Comment j'ai fait? Non. Oh non, pas le bug. Non, pas le bug bidon, là. Non. Non, je suis pas d'accord. Mario. Non. Mario, putain! Mais non, mais sérieux, là. Attendez, mais je suis bloqué. Hop, vous me voyez plus. Hop. Hop. Trop fort. Hop là, non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh putain, mais qu'est-ce que je fous, sérieux. Attendez, mais... Mais... J'aimerais bien faire le saut retourné, là, mais putain. Ok. Bon, je crois que ça m'a vraiment saoulé, là, je vous dis. J'essaie de garder mon calme, mais c'est pas forcément évident. Deux. On se tourne, on saute. On doit se... Attendez. Mec, je saute sur le côté pour pas me faire voir par le gros. Putain, mais... J'ai même pas le temps de me réceptionner sur la plateforme. Oh, mais... Regardez-moi ça, il est... Il est... Mais... Alors... Non, mais là... Y a rien à dire. C'est pas possible. Là, le jeu, je crois qu'il a vraiment pitié de moi. Attendez, hein. Parce que j'ai dû hurler tellement j'étais énervé. Ah, belle esquive. Vous voyez qu'il y a un Toad paumé. Ouais, essayez de tirer sur lui. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Hop. Non. Non. Oh non. Mais quel con. Ah, oh putain. Ah non. Juste à la fin. Hop, y'a pas moyen, on recommence là. Attendez, mais... C'est quoi ce machin? Elle a disparu, il me semble. Si je fais... Attendez. Ah. Si je fais un double saut. Hop. Voilà. C'est mieux. Attendez. Oh non, y'a un gros bug. Elle disparaît. Ah, dommage. Putain. Bon, ça fait qu'en fait, j'ai tout le temps que je veux, mais pourquoi t'as pas tourné? Oh. Oh putain, c'est lamentable, c'est quoi ce saut pourri là? Oh, je suis bègue là, pourquoi ça fait un bug comme ça? Ça casse tout le challenge. Bon ça va parce que la course elle est pas très longue, mais putain! Une espèce d'inertie bizarre là, avec la pente. Je glisse. On dirait qu'il y a du savon dessus quoi. Bon, on va essayer d'y aller calme. Non. Donc, j'ai hâte de faire des boules de mammifères. Donc, on va me prendre pour le taré. Allez. Putain, sans le pingouin, ça va pas être difficile quand même. Oh là là. Non. Là, le virage, on tourne à droite. Putain, mais il faut s'y prendre vachement à l'avance, quoi. Je reprends ma vie. Et je meurs. Ouais, t'es gentil, mais tu pouvais pas faire plus chiant comme plateforme, là, putain. Mais pourquoi il fait pas de double saut? J'en ai marre, yo. Putain. Non mais là... Tu crèves, on recommence. Oh putain! Pas assez rapide. Hein? Mario, arrête de me faire chier. Non, la crédibilité zéro quoi.
Comment vous voulez considérer ça comme un héros de jeu vidéo? Pourquoi doit-on se faire aussi chier pour arrêter Bowser? Pas aller lui foutre une raclée directe là? Pourquoi je saute? Mais pourquoi je saute comme ça? Attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc pourri quoi? Mais hallucinant! Hallucinant quoi! Je peux même pas remonter, y'a une espèce de tour de la con qui se met sur ma trajectoire! Ça veut, ça y veut. Oh putain, y'a lui en plus. Ah oui, si j'arrive à sauter sur lui. Mais non! Le saut de l'ange. Je jure, ça fait Mario qui se noie alors que je suis déjà mort avant de tomber. Bon, attendez. Faut que je saute direct là. Hop. Non, faut pas que je saute direct. Ok, apparemment, je vais me prendre inévitablement le masque dans la gueule. Putain, mais c'est affreux si je saute. Là. Non. Allez, viens. Mais genre... Bon, ça me saoule, on saute direct et on peut pas sauter. Mais c'est quoi cet endroit pourri? Ouais, je t'ai pas demandé de te suicider non plus. Alors là, ça va être chaud. Là, il faut vraiment se placer dans l'axe en plus. Alors, Mario... NON! Oh, mais quel con! Pff, oh, si je m'étais planté encore sur la corde, ça serait allé, mais là, tomber comme ça, c'est la honte. Et je tombe encore comme une grosse quiche. Ça commence à ramer un peu. Oh, ah si, j'ai le numéro, c'est bon. Yes. Lâche-moi, toi. Mais, qu'est-ce qui se passe, là? Mais dégage! Mais attends, mais j'hallucine. Je suis où, là? Je suis écrasé, mais... What? Qu'est-ce que c'est, ce truc? Non, mais... What the fuck? Oh non, le bob-omb, il est là. Je peux vite, vite lui parler. Allez! Ok, vite. Ouais, vas-y, ouvre ton truc, je m'en fous, allez, remets la vue. La plateforme, elle est où? Mais putain, arrête de me parler, je m'en fous. Oh non, la plateforme, elle s'est cassée. Et voilà. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non, c'est pas sérieux, là. Mais comment on peut jouer aussi mal? Quelle horreur. Comme ça qu'il nous remercie d'avoir récupéré 120 étoiles, mais putain. Ils sont sympas, dans les hacks. Mais non. Putain, je sens le truc foireux encore. Mais si je joue comme ça aussi, ça se finit quand cette saleté? Putain. s'il vous plaît, je veux terminer ce walk. Je veux finir ce jeu. S'il vous plaît. Je veux pas mourir comme ça. Mario, s'il te plaît, ne te suicide pas. À tous les coups, ils vont nous foutre les nounous à 3 km. Ah, j'ai plus de fioul, j'espère qu'il y en a là. Y'a rien là? Non, sans déconner, y'a rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bordel. Elle est où l'autre? Putain, c'est quoi ce truc? Et voilà, elle se casse, bon. Et qu'est-ce que je suis censé faire moi maintenant? C'est con ce truc. Ah mais ce qui m'énerve c'est que c'est ma dernière vie quoi. Bon ben, mes amis, faisons notre prière. Hein. Allez, hop. Il faut vraiment esquiver tous les ennemis. Oh putain, je dis ça et je fonce dessus, quoi. Mais quel con. Allez, dépêche-toi, là, tu tues. On peut essayer de couper comme ça en sautant. Putain. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Oh putain, je suis dans la merde. Oh putain, mais comment tu vas esquiver ça? Allez, bouge, bouge, mais qu'est-ce qu'il me fait? Non mais j'hallucine là. Allez. Incroyable quoi.
Putain, j'ai pas compris. Non, non. Oui. Ah, je m'en fous. Oh non, j'y crois pas. Alors là, j'ai tué... Enfin, j'ai... J'ai eu toutes les pièces. Je crois pas, j'ai eu la dernière mourant. Putain, c'est l'autre. Ah, mais... Putain. Et on la voit pas, putain. Forcément. Bon. On va essayer de prendre le robot pour voir. Allez, je m'en fous. Ah oh, putain, ouais, dès que je vais toucher, c'est mort. On va prendre le robot. Ok, j'ai plus de vie. On se casse. Ah, putain. Putain, mais... Je peux pas l'activer, cette merde. Mais... Bon. On m'a pas fait mon chou, les cheveux moches. Ok, ça marche pas du tout. J'ai essayé de finir avec le robot. C'est pas possible. Ah, c'est chier. Putain, c'est quoi, ça m'a cheaté. Qu'est-ce que c'est ce truc, sérieux? Oh, putain. Vite, le dragon. Ça, c'est impossible à tirer, ça. Mais putain. C'est quoi, ce putain de boss de merde? Je peux pas encore l'atteindre, il faut qu'il fasse ses... Oh, sinon, je peux pas le le toucher. Oh, putain, non. Qu'est-ce que je fous? Ah, j'arrive plus à sauter. Non. Qu'est-ce que je fous, putain? Mais c'est pas possible de se failer comme ça. Allez, on y est. Juste, voilà, contourner le machine. Ah non, c'est une musique. Elle est énorme. J'ai juste envie d'attendre un peu pour l'écouter, quoi. Allez, on y va. Sinon, ça va exploser. Oh non. Mais... Non. Évidemment. Oh là là. Allez, à fond là, on accélère. Oups. Non. Oh non, pas le dino. Putain. Mais non. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas... C'est pas possible, mais c'est pas... C'est pas humain. Par contre, là, il y en a un au milieu. Que j'ai raté. Oh putain, je vais encore mourir. Ah, ok. Je vais le prendre. Au cas où, hein. Au cas où tu meurs, je te ferai apparaître comme ça. D'accord. Allez, go. Alors, lui... Moi. Non, mais... Prends ton achat, donc ta putain de gueule. Mais lâche-le. Mais lâche-le. Tiens, mais prends-toi ça, mais crève, mais crève, saloperie. Mais... Il va venir vers moi, j'y crois pas. Arrête, c'est comme un couillon, prends-toi. Mais putain, mais lâche-moi, saloperie. Il m'a tué. Oh, mais qu'est-ce que... Oh non. Attends, viens, viens, prends ça. Prends ça, putain. Non, il va m'attaquer, vite, 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 tu le tues, tu le tues. Oh, putain. Oh, oh putain, t'as vu ma vie? Oh, reste pas là. Essayez ça. Oh, c'est bien joué. Mais j'ai raté le gland. Mais sérieux. Mais... Ah, je peux pas l'activer. Je peux le détecter comme ça. Super, je peux l'activer, ça marche comme ça. En plus, il me donne dans un coin. Je peux pas activer la poudre. Je sais pas, mais c'est pas possible. Il y a une astuce, non? Il y a un truc qui va pas, là. Attendez, c'est pas possible. Dragon, c'est vraiment le mieux, là, pour l'instant. Ok, je pensais qu'il allait mettre la poudre, mais non. Impossible à activer. Vite, on saute. Là, il va faire la poudre, ouais. Ça va s'activer, je sais pas comment. Bah, pas fou sur ma chaîne pourrie. Putain, qu'il va faire. Ah non! Mais putain! Ah, ça va être horrible. Ça va être meilleur, pas possible, ce boss.
surprise. Donc on va retourner dans la salle. Est-ce que je peux me poser là-dessus? Ah mais je suis à côté, mais quel boulet! Mais quel boulet! Putain! C'est pas possible de... C'est hallucinant, c'est hallucinant, bordel, bordel. Mais putain! La tour elle aussi, elle ouvre la porte vite. Hop, hop, merde, c'est quoi la couleur déjà? C'est blanc! Au secours! Il y a un métroïde au milieu, je veux passer à la porte, au secours! Allez, ouvre-toi! J'étais caché à la métroïde, j'arrive pas à passer, c'est horrible! Ouf! C'est bon, on est passé. Quelle horreur cette salle! Oh, tu vas le bouffer ton cœur, voilà. Non mais n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Qui c'est qui est assez fort pour mourir en étant invincible? C'est Alric, ouais. Putain. Ah ça va être chaud ça. Allez la plateforme. Mais merde. Mais non. Oh putain. Oh bah d'accord. Oh que c'était minable. Non mais... Ah non mais je suis pas mort, mais vous avez vu que la vie est permise. Mais ça c'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas là. C'est quoi cette petite clé carrée? Touche à peine un obstacle, c'est mort. Mais je saute pas assez haut pour activer avec une personne. Quoi que je sens, il y a moyen, c'est possible. Déjà si j'arrête pas de bouger, je peux tout esquiver je pense. Bah même la foudre. Si je fais le droit de bouger, je suis en cloche. Le problème c'est qu'il faut pas que je reste ici. Ah putain. Ouais, faut que j'esquive avec le dragon peut-être. Ah merde. Putain, c'est le bloc là aussi. Allez hop, on esquive ça. Là, mais putain. Je vais esquiver les manches par ici. Ça foudre, ok. Ça foudre, ok. Là, j'arrive à l'esquiver. Ça, c'est bon. Putain, il est encore bloqué. Putain. Alors, est-ce qu'on a un passage par là? Je crois pas, non. Ah, putain, putain. J'aurais dû crever les zombies d'abord. Ah! Ah! Putain. Oh, ça, c'était beau. Non, mais sérieux. Non seulement j'ai raté la clé, enfin j'ai abandonné la clé, j'ai perdu plein de vie. Oh putain mais ça... Quoi? Ah c'est quoi cette connerie, on meurt direct. Ah ok. Je comprends mieux, ça débloque en fait les passages. Ah merde, c'est pas que... Ah quel con! J'ai oublié d'être tué par ici. Eh quand je suis passé tout à l'heure, il n'y en avait pas! Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Mais putain, mais on les voit pas apparaître. Mais allez! Putain, je vais pas crever comme ça. Mais c'est envahi ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait pas avant. Si je l'avais terminé en 5 minutes, ça aurait pas été drôle. Mais bon, quand même, c'est pas bien. Bon, là, je cours. Je vais rire si tu perds tout tes Yoshi avec un fruit en restant un fruit. Là, ça serait énorme. Je vais bien rager en tout cas. Ouais. D'ailleurs c'est pas, pas la seule vidéo qu'on fera ensemble, d'ailleurs apparemment, on va pas vous dire pourquoi. Oh là là. Il va perdre tout ses Yoshi. Attends mais j'ai peut-être le game over parce que j'ai pas utilisé le masque blanc. Oh putain. Tu reprends d'où? Bah en fait il faut recommencer tous les... les stages. On va considérer ce niveau comme fait, vous savez quoi? Yes. Alors j'espère qu'il n'y a pas de télise. On s'en fout. On se casse. Ah! Non! Oh putain les cons! Ah non, mais pourquoi ils ont mis ça? Oh non, ils font chier. Je m'étais bien débrouillé. Comment vous voulez qu'on sache que le truc... Oh non, franchement c'est trop... Ah, je suis deg. Ah. Mon dieu. Oh, putain, mais quel nul. Qui je suis là? C'est pas possible de jouer comme ça.
Allez hop. Oula, ça va être chaud là. Faut que ça soit coordonné normalement. Voyons voir. Peut-être là, non. Prochain. Ah putain, ça va être chaud ça. Pas l'impression que c'est vraiment coordonné cette plateforme. Non, c'est pas la peine hein. Ah putain, c'est chaud. Mais c'est complètement des... Je sais même plus comment on dit, bref. Des coordonnées, je sais même pas si ça existe. oui, mais là c'est complètement l'opposé de ce que je veux. Attendez, c'est quoi ce truc, sérieux? Je peux rien faire là. Vu qu'elle arrive sur moi, je suis de l'autre côté. Putain. En plus, ça rame un peu. On va pas attendre la 3h non plus, allez. C'est vrai qu'il y a de la merde en plus dans ce coffre. Ah. Oh là là, c'est vraiment. Mais c'est une guidon ça, mais. Agno. On va essayer de pas tomber juste au dernier moment. Ah oui, non mais heureusement que j'ai dit ça. Non. Putain. Ah, oh, c'est pas vrai. Là franchement je comprends pas, regardez, c'est complètement à l'inverse, je passe sur l'autre là, c'est quoi ce bordel? Ou alors il faut que je saute là. Même si elle est pas là, attendez, je sais un truc. Là. Ah oui, c'est ça. Faut que je saute. Hop, oh putain. Bah, la perspective c'est vraiment pas... évident. Non. Là, mais putain. Ah putain. C'est pas vrai. Oui. Oui. Non. Putain. Ça va me rendre fou ça, j'ai l'impression. Mais attendez là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on fonce encore. Dernière ligne droite. Non. Mais quel bruti. Mais pourquoi j'ai essayé de le tuer? Oh, je vous jure. Non. Oh. Quoi ça? Non mais sérieux, m'envoie des trucs mais hallucinants. Dernier tour, hein, et à la fin encore. Bon, je suis dernier. Fais de ma gueule ou quoi? Bloc à la con, là. Mais c'est pas vrai. C'est pas bon. Mais c'est horrible ça. Je sais bien qu'il y a la plateforme de Mario, mais pas un truc aussi chiant quoi. Oh, c'est pas vrai. Ah, mais non, ils sont encore donné la plateforme. J'aurais pu sauter sur la première, c'est beau. Putain. Non, non, je vais pas y arriver. Putain. Allez, on va pas passer la vidéo là-dessus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais j'y étais. Tu pètes un câble, c'est pas possible, mais putain. Pas monter directement là. Ouais, mais Mario, tu dois sauter, bordel. J'ai pas envie de m'énerver, mais franchement. Mais c'est quoi ce passage relou? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais ça, tout de suite. Bon, écoutez, je fais une coupure, j'ai sur vidéo, je retrouve quand même une fois que je code parce que là, c'est pas passé 3 ans. Et là, on avait le fameux couloir où la fenêtre m'avait fait sursauter. Blom, blom, blom. Oh oui. Ah ah. Je vais avoir une crise cardiaque. Coucher, coucher, coucher. T'es mort ou pas? Je n'ose plus bouger. La musique, s'il te plaît, arrête-toi. Mais... putain, j'ai sauté, mais j'ai pas eu le temps. Bon, on recommence, c'est pas grave. Du coup, j'enregistre le jour d'après le début de la vidéo. Putain. Bon, c'est un peu chiant, là. Ah, c'est trop chiant, ça. Je prends le save, je m'en fous. On termine la vidéo, là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, mais toujours au même endroit. Bah ouais. C'est possible, ça. Mais allez. Bon, le mieux, c'était preuve, la dernière chance. Encore en 2D, ça pouvait passer, parce qu'on pouvait savoir à peu près où les tournons allaient, mais là, avec cette 3D isométrie, je me c'est pas un cadeau du tout. Bon, j'ai raté. Et ça me fait rater la première porte. Mais du coup, je l'aude, parce que... j'ai vu qu'on gagne... l'arme ultime de Malo. Si on termine cette série de portes. Mais putain. Je finis par faire un passage accéléré. En plus, ça rame. Et putain, le tonneau te tombe sur la gueule, t'as même pas le temps de voir arriver, quoi. N'importe quoi. Déjà de base, c'est un jeu que j'aime pas, donc c'est con, alors là... j'suis pas gâté, hein. Mais putain, mais... comment tu veux esquiver? C'est un brouti tonneau, quoi. Allez, dégagez, là. Mais putain... Alors, faut pas que je me précipite, parce que sinon ça marche pas. Je vais me faire toucher à chaque fois, donc on va attendre le bon moment. Si je me mets là, je... d'accord. Alors, je peux te capter un truc, si je me mets là. Ah oh, bah si, hein, d'accord. Il y en a qui vont vers le fond, il y en a qui restent devant. Comment tu veux savoir si le tonneau va arriver de face ou derrière? N'importe quoi. Oh putain. Bon, je fais la même connerie 10 fois d'affilée, ça commence à me saouler. Relou le donkey là. Là, on a un instant de répit, la prochaine fois, sinon je vais me faire boire.
reste ici. Vite, on va le supérieur, et on pareil, on attend. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais putain, je suis une grosse merde là. Je vais terminer la vidéo tranquille, et non, j'ai pas moyen quoi. Espèce de trouble à la con. Allez, saute. On esquive les tonneaux, que c'est pas le piton, mon dieu. C'est pas le piton que le plus se met. Hein. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas possible de jouer comme ça, il faut juste sauter, bordel. Qu'est-ce que je fous. Je te demande des fois. Hein. Hop. Allez, voilà. Pas possible, dernier truc à chaque fois. Là, vite. Voilà. Putain, casse-toi, de Donkey Kong à la con. À la Kong. L'espèce de théorie. Évidemment, ça attire mon attention. Voilà. On aura formé un espèce de motif, non? Les reliures semblent former une sorte de... Bah, tu rappelles ce que je viens de dire. Échanger les deux livres. Il y a pas deux livres, il y en a sept. Quoi? Ah, d'accord, il faut échanger les trucs pour reformer l'image. On dirait une espèce de petit dauphin. Regardez sa petite tronche, là. Il est tout mimi. C'est drôle. En fait, on dirait le corps d'une femme qui est allongée sur le sur l'océan. Oui, je crois que je viens de passer pour un énorme débile parce qu'en fait c'est une espèce de femme qui est couchée sur le flanc, sur le côté. C'est pas du tout un dauphin. Avec ses jambes qui sont à gauche. Ça, ça peut être que ici. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Mais quel abruti. Oh, mais quel con. Ça, ce sont ses pieds qui sont tout à gauche. Putain, il faut tout décaler. Mais quel abruti, sérieux. Oh, quel con. Mais pourquoi il rebondit pas, là? Attendez, normalement, là, et là, il devrait rebondir encore. Pourquoi je peux pas? C'est un bug. C'est un bug, c'est juste pas possible, hein. Alors là, on peut rebondir deux fois d'affilée. En plus, il y a un Goomba juste au-dessus. Dégage, dégage. Oh, putain d'enfoiré, je vais ici. Allez. Ah, oh putain, j'ai réussi à rebondir deuxième fois. Ça va être possible, alors. Pourquoi là, j'ai... Ah, voilà. Oh, mais putain, me saleté. Ouh, le Goomba, le bâtard. Oh, putain. Allez, je manque le... Oh, putain, je suis à côté, non, s'il vous plaît. Putain, lui, il va me saouler. Oh non, non, non. Ah, oh, putain, il m'a fait paniquer. Est-ce que je peux pas faire quelque chose avec ça? Ah, oh, putain. Ah, oh, un game over. Putain, je vois rien. Hop, allez. Mais putain, ça va recommencer comme au premier niveau. Putain, je vois rien. C'est sympa le petit passage secret, mais sachant que la caméra. Oh putain. Sachant que la caméra ne suit pas. Faut essayer d'arrêter de faire des annonces exiguës dans les airs, sérieux. Faut aller où là? De l'autre côté, ouais, c'est ça dessus. Moi, en fait, je vais plutôt sauter comme ça. Dans ce sens là. Mais faut que je saute en face. Putain. Oh mon dieu. Ah, attendez, je vais essayer de. Comme ça, on va essayer tous les moyens possibles imaginables, parce que là, c'est un peu la galère. Un peu beaucoup. Là, je fixe la caméra. Hop, je saute. Oh putain, il faut bien jauger la distance aussi, parce que là, non, c'est pas. Mario, arrête de te bloquer sur le mur. Hop. Putain, je vois pas où je vais atterrir, c'est horrible quoi. C'est horrible, comme ça. Attendez, c'est comme ça, comme ça. Putain. Pouf, regarde-moi ça. C'est injouable. Je vais pas dire, mais c'est injouable. Putain, je crois que j'étais presque. Oui. Merde. Non. Oh non, oh non, 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 s'il te plaît. Mais non. Franchement. Comment je fais là? Putain, je suis où? Oh. Alors, deux secondes, je mets une save. Non, mais là, non, je peux plus là, désolé, mais. Faut aller où là? Putain, mais. Ah, oh, voilà. Waouh. C'est quoi ça? Oh non. Ma save. S'il te plaît, save. Réponds-moi. Mais putain. Allez, on fait comme ça. Hop, hop. Ah, mais c'est pas vrai, quel couillon. Mais c'est moi aussi, hein. Je vais vraiment être une cache avec le save. Possible, mais non, je suis à côté. Je sens le saut qui va être relou là. J'ai fait un save pour pas avoir revenir ici tout le temps. Oh putain, voilà. Allez, on y va pour les. Perches. Hop, voilà. Hop, je suis trop décalé là. J'étais presque. C'est bien, franchement, on s'éclate. C'est amusant. Hop, ça passe. Vous voyez? C'est au pixel près quoi. Si on se plante, on est obligé de tout refaire, bien sûr. Une caméra foireuse. Des éléments du décor qui font 3 mm. La caméra qui se place jamais comme il faut. Et des amis bien relous qui montent jusqu'à toi, juste pour te faire chier. Non, mais là, c'est la fiesta. C'est le festival, non mais. Enfin, là, c'est pas moi, je veux dire, n'importe qui voit cela qui fera 50 fails à ce passage, mais c'est obligé. C'est n'importe quoi, ça. Ça, franchement, c'est n'importe quoi. Allez, j'allais où la prochaine perche? Non, mais surtout, mais la longueur du passage, quoi. 2 perches, 3 perches, je veux bien, mais il y en a 10 d'affilée, c'est relou. Putain, mais sérieux, je suis obligé d'y aller au pif, là. Et. Qu'est-ce. Ah! Putain, je me suis bloqué sur le navire de dessus! C'est incroyable, quoi. Allez. Là, ça doit être bon. Oh putain, mais c'est vraiment juste! Mais toi, mais crève! Mais putain! Mais putain, mais qu'est-ce que c'est le con! Saleté!
putain, maintenant j'y reste plus. C'est lourd, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Elle est où la prochaine paire? J'en fais une save, c'est super, je la rate. On revient, la save est buggée. Je suis obligé de tout recommencer. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Fuck. Attendez, je fais une save en espérant qu'elle bug pas. Putain, mais non! Putain, elle a bugué. En direction du château. Et puis après, on peut récupérer les pièces rouges, par contre, faut pas aller trop vite. Ok, d'accord. Je me suis pris un mur invisible. Putain, mais comment je vais faire là, la caméra? Oh là là, mais voilà, mais putain. Pouh. Oh, game over. Allez, c'est parti. Putain. Ah oui, d'accord. J'ai peur, la caméra. Quoi? Ah, merde. Ah. Je vous ai montré juste à l'instant ce qu'il fallait faire, j'ai du premier coup, mais dès que j'ai envie d'intervenir, j'aurais plus. Oh, tente. Hop. Allez! Bordel! Oh, ça y est, putain. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. On est reparti, parce que vous voyez qu'en fait les caisses sont activées juste au-dessus. Mais c'est juste super hard. Putain. Ah, mais non! Putain. Mais j'essaie de faire le saut retourné, comme par hasard, il veut pas, il me fait chier. C'est horrible. Franchement, c'est horrible ça. Allez! Mais c'est parce qu'il se bloque contre le mur, franchement, mais Sandy, t'es obligé de faire une corniche aussi étroite, en même temps aussi limitée. C'est juste énervant, on est obligé de s'énerver hein, sur nos trucs. Oh là là! Oh, ça y est, ça me saoule. Surtout, on reste calme. On reste calme, sachant qu'à chaque fois, il faut attendre que le temps se termine. Merci. Start, save. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, parce que là, je suis un peu à la bourre. On va quand même essayer d'y arriver. Hop, vite. Oh putain, mais non. Vous voyez, ok, j'ai cassé la dernière caisse, c'est magnifique. Putain. Mais couillot, mais putain. Oh, c'est affligeant, hein. Franchement. Et allez, je suis à côté. Parce qu'évidemment, le temps que je remplace la caméra, ce sera trop tard. Mario saute dans tous les sens. Je casse la caisse. Je reprends. Sur en longueur ratée, je recommence. Sur en longueur, je saute avant la caisse. Je recommence. Là, j'arrive sur la caisse. Et non, pas enfin, il faut recommencer. Oh, mais putain, mais quel passage moisi. Allez! Non, mais c'est ça, je crois qu'il faut faire sur en longueur vers l'étoile. Mais la caméra, non, mais. T'inquiète-tu peut-être? Non! La caméra a apparu. On se calme surtout. On reprend la casquette. C'est comme ça. Oui, elle est juste là, l'étoile. Allez! Non mais sérieux. Comment péter un câble? Et ce putain de mur, j'en ai marre de me le bouffer à longueur de temps. Allez. Mario, lâche ton... Putain. Oh, c'est lourd, c'est lourd. Ça y est. On rate sans son longueur. On rate sans son longueur. On rate sans son longueur, manette de merde. Manette de merde. Oh putain, je me suis pris le bloc, ça m'a fait... J'ai pas pu sauter assez loin. Non mais là, faut arrêter d'abuser là. Faut arrêter d'abuser Mario. Ok, là s'il te plaît, je retombe même pas sur l'étoile, non mais tout à fait. Tout à fait. Mais s'il vous plaît, mais portez. Allez. Oh, il y a des Goombas sur le canapé. Ah, mais j'adore. Non. Oh putain. Non, j'aime pas en fait. Concentration. Oh putain, mais non. C'est une boule électrique en plein milieu, mais c'est pas vrai ça. Sans vie. T'as pas que ça, c'est chaud déjà de mettre des caisses en temps limité. Oh putain, oh non. Oh non, mais putain. Je hais ça. Franchement, c'est un truc que je déteste par-dessus tout, c'est bien ça. Quand on est chronométré, à devoir sauter sur des petites plateformes, ça m'appelle le tour de poser aussi. T'es obligé de t'énerver parce que tu fais des saves, parce que je suis mal placé, parce que t'as pas le temps, parce que c'est tout simplement trop difficile. Pff, et allez, j'étais presque. Allez, j'aimerais marre de prendre dernière toile avant d'arrêter la vidéo. Allez, vite. Allez, où la perche? Oh non, pas ça. Pas ça. Oh putain, ça. Mais ça, c'est horrible. Pff, je vais vous dire tous les bugs qu'il y a dans l'air, c'est génial. Ce bug de la perche, c'est à vous arracher les cheveux. Donc ça devient fou. Oh là 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 là. Ça devient fou ça. Parce que vous êtes... Ah putain, mais je vois rien aussi. Putain. Allez. Je vais te mettre save. Oh mais bordel. Oh mais mon dieu. C'est horrible. Allez, place-toi bien. On est obligé de faire un saut. Non, on peut pas sauter directement sous. Attendez. Ah merde, je vais faire une save. Mario c'est... Oh putain. C'est affreux. Oui, s'il vous plaît, sortez-moi de ce cauchemar. Sortez-moi de ce cauchemar. Oh putain, j'ai tué l'araignée. Non, les 100 pièces, on s'en fout. J'en ai à peine 30, c'est pas la peine. Non, mais ce qui me fait vraiment peur, c'est que s'il faut refaire ça à chaque fois, à chaque épisode, moi je peux pas, hein. Non, mais je vais péter un câble, je peux pas faire ça. Arrêtez là. C'est de la torture, ça.
C'est de la torture. C'est pas ma faute. Non. Oh putain. Mais vous avez vu le nombre de tours qu'il fait ce Chokia? Ça fait du bien. Non, putain. Non. Allez. Allez, Roquefort, montre-nous ton skill. C'est trop dur. J'ai encore plus moisi que moi, j'ai tout court que... Attends, on va faire une save quand c'est en haut. Là, vas-y. Voilà, parfait. Faut pas attendre trop longtemps. Ah non, ça passe pas. Comment ça me souillait, y'a. C'est trop dur. Voilà, fais des sauts. Fais des doubles sauts aussi, ça passe bien. Oh y'a, j'y arrive pas. Non, je suis pas en face, y'a. Oh. Allez, je te regarde galérer. Oui, bon, ça va. Oh y'a, mais c'est pas possible. C'est quoi ce camembert, y'a? C'est pas ça, je moisis. Moisis comme du roquefort, hein. Ah, y'a double saut. Oh y'a, mais je passe à travers la plateforme. Ok, c'est bon. Allez, mais je fais le saut trop loin. C'est chiant, hein. Oui, bon, ça va, arrête de... Tu m'énerves, Eric, là, à faire des commentaires. Tais-toi un peu, laisse-moi faire. Je vais y arriver. Et on attend. Ah oui, mais non, mais la plateforme, elle monte avec nous, en fait. D'accord. Voilà. Je fais une save. Je m'en fous. Je triche. Oh y'a. C'est vraiment dur. Oh là, attendez, je pense que je peux cumuler là. Je peux faire un triple saut. Oh, ça c'est bon. Ça se finit jamais ça. C'est ben long. Oh ya. Oh, c'est pas bien. Mes poils sont hérissés de patou là. Recours. Ça passe. Oh ya, mais il faut arrêter d'abuser comme ça. Hein. Je vais laisser tous mes poils si ça continue. Ah, Eric est parti manger un morceau. Je pense qu'il en avait marre de me regarder faire. Ah, ça c'est cool. Il faut aller wapper. J'ai marqué le partout les 10 fois. Putain, mais si la caméra pouvait nous suivre, ça serait plus simple, hein. Ah oui, alors là, si j'arrive, PGM, hein. Et voilà. Mais comment vous voulez faire? Sérieusement, comment? C'est impossible. Je m'en centre. Allez, on y croit. Ah. Putain, mais au bout d'un moment, il veut plus. C'est pas ma faute, c'est que Mario ne veut plus. Regardez, il se cogne. Franchement, ça c'est exaspérant, hein. J'en peux plus des sommiers là. Avec le truc de l'usine là aussi, des sommiers, c'est bon quoi. Ah là là. Bon, ça sent encore le passage accéléré. Qu'est-ce que tu fous, Mario? Regardez sa posture. Est-ce que vous avez déjà vu Mario comme ça? Il est tombé dans la neige, mais sur le cul. Franchement, c'est hallucinant. Allez! Yes! Ah! Je crois que j'ai tué le rival. La dernière seconde. Il est où le dernier? Une balle, attention. Oh, PGM. Vous avez vu ça quand? Une balle. J'ai réussi à tuer l'ennemi. Je suis fier de moi. C'est content. Putain, là, j'ai horreur de ce passage. Allez, on reste à gauche. Là, il faut que je reste à gauche parce que je sais pas pourquoi je suis allé à droite comme un couillon. Allez. Oh mon dieu. Yes. Hey, Roquefort, viens voir. Oh, y'a, il est trop con, Yalric. J'en peux plus, là. J'ai mal au cou. Oh, tiens, une gaboy. Regarde ça, Yalric. Tu vois ça?
Ça, c'est de la qualité, ça. Ça a 25 ans et ça fonctionne toujours nickel. Ça, c'est vraiment... C'était quelque chose, hein. Elle est encore plus vieille que moi. Bon, par contre, on n'y voit pas grand-chose. Surtout avec mes yeux de retraité. On voit pas grand-chose, on pose ça. Tiens, fort en passe quoi, la 500e. Oh, ça manque un peu de Roquefort, je trouve, mais... Ah, mais tu filmes, là? Et ça, y a caméra? Bonjour, les gens, je vous vois, salut. Roquefort, arrête de faire le couillon. Montre le Game Boy aux gens, je voulais lui faire un hommage, justement. Oh, là, ça va. Il a ramassé ta Game Boy. Attends, non, pas comme ça, mais... Ah, mais non, mais on me voit dans le reflet de l'écran, là. Oui. Et là, c'est bon, là. Attends, ne bouge pas. Voilà, là, ça suffit. Bon, de toute façon, c'est moi que les gens veulent voir. Hein. Regarde, je vais faire les trop mignons. Bonjour, les enfants, je suis tout doux et je sens bon. Est-ce que vous voulez de mal, Eric, qui me maltraite trop. Oh, de suite. Arrête ça, tu dois conclure la vidéo, là. Arrête de faire le débile. Bonjour, les amis, je suis une vieille souris qui ressemble à une ours en peluche. Conclure la vidéo. Ouais, t'as qu'à faire une chanson. Mais j'ai déjà fait trop de chansons. Mais non, tu chantes tout le temps, fais-toi plaisir. Tu sais que t'aimes bien chanter, allez. Moi, je veux une chanson romantique. Oh, mais non, mais c'est la honte, ça. Pas ça. Pas du tout, moi, ça transmet des émotions. Les gens, ils en ont besoin en ce moment. Je vais te choisir la chanson, tiens, si tu veux bien. Allez, mais d'abord, arrête-moi ça. Arrête-moi la caméra, gars. Ah, bah, super, la fin de vidéo. Merci pour la coopération, hein. Dis, on peut jouer à Super Mayo? Super Mayonnaise? Mais arrête de te moquer de mon accent! Allez, viens, je vais te montrer Super Mayo Land si tu veux. Après, ce sera Super Ketchup Bros. Bon, alors, je voulais pas mettre de chanson, mais on a joué ça avec Roquefort avec un plante feu haut. L'équivalent des pierres papier ciseaux, hein, mais avec ses grosses patounes, on peut pas distinguer la pierre de la feuille avec lui, ni le ciseau d'ailleurs. Donc, on est obligé de jouer à un autre jeu, du coup, j'ai perdu. À cause du hasard, évidemment, j'ai jamais de chance. Et ce putain de... Cette espèce de bâtard en peluche, il a choisi une des chansons d'amour, là, bien hardcore à faire. Je me vengerai. Chance que je t'ai... Tu m'as une chance comme ça. Quand tu m'appelles, mon petit loup, avec ta belle voix, je pense mes bleus, tu tous mes papillons noirs. Fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous les trouilles aux hiboux. Chance que je t'ai, tu m'as. Je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi en moi, mon bon chat, t'auras jamais peur. Tant que je vivrai, même si je meurs. Une chance que je t'ai, tu m'as, une chance. Je finirai dans ton.
Chance que je t'aime.